À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, éternité. L'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse le Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire pour l'éternité. Tel un berger, le Seigneur amène son peuple. Il le rassure, tandis que les flots de la mer recouvrent l'ennemi. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Maman Marie-Virginie Kouamou demande cette messe en action de grâce au Seigneur pour le repos de l'âme de maman Ménil, Tingjung Gongan Thérèse, pour le repos de l'âme de papa Tani, Tingjou Séraphin, pour ses frères et sœurs défunts, Jean-Marie Hugues et lui, Bertrand Tingjou, pour maman Georgette, pour le repos de l'âme de Sim Delphine, maman Nef Sim Delphine, pour tous les autres défunts de la grande famille et pour les âmes du purgatoire. Alain, Camille, seul, rend grâce au Seigneur pour ses merveilles dans sa vie et lui confie la célébration religieuse de son mariage. La famille Yemmo demande cette messe en action de grâce au Seigneur pour lui confier toute la famille, l'unité, l'union, la paix, la justice, l'entente dans la famille et pour lui confier le déroulement du mariage de Rossel. Nous prions avec Alexandre pour ses intentions personnelles et pour son projet. Nous prions avec Carissa, Franck, Achille, Brice, Martial, pour rendre grâce et lui confier leur projet. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux, pour Amandine, Kenzie et Sandra, pour toute la famille. Nous prions, frères et sœurs en Christ, pour le repos de l'âme de maman Julienne Diquet, pour le repos de l'âme de maman Justine, repos de l'âme de maman Hélène, qui a été assassinée froidement il y a 2 jours. Nous prions, chers frères et sœurs en Christ, pour tous les malades, notamment Pascal Zodon, tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Nous prions pour Oski, pour Patrick. Que le Seigneur entende nos prières, que le Seigneur les exauce. Nous prions pour Jospin, pour son projet de mariage. Entrons dans cette célébration, frères et sœurs en Christ, en continuant de célébrer, de jubiler pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ope mo Yahweh, ope mama ope, ma beta ope mo Yahweh, ope mo Yahweh, ope mo Yahweh.
Yahweh, coupé, oh Yahweh, coupé, maman, coupé, oh Yahweh. Pratant si tchaba pepe a ton rada, coupé, maman, ya ya kame. Gao cho tchapo si ama koma. Le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rebâtir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 4, les 12 premiers versets. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres suivirent avec le commandant du peuple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, à ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean,
Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Il fit amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara, chef du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infime, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc. Vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a le salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Que le dise Israël, éternel est son amour. Qui le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille de nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Quand vous jetez les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux 12 disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent
dans la barque. Or, cette nuit-là, il ne prit rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent dans le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui. Et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson, c'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Après sa résurrection, Jésus se manifeste à ses disciples pour leur montrer qu'il est présent dans leur vie. Jésus est présent dans notre vie, chers frères et sœurs en Christ. Il est là. Il est là au milieu de nous. Il nous accompagne dans nos activités de chaque jour. Dans les temps d'épreuve comme les temps de joie. Il est là. Il ne nous abandonne jamais. Seulement, il faudrait demander les yeux de la foi pour le découvrir, n'est-ce pas? Il faudrait que nous demandions les yeux de la foi, qu'il ouvre nos yeux pour que nous le voyons. Il est là pour nous rassurer. Il est là pour nous guider vers le bonheur. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Prenons conscience qu'il est là et restons toujours en sa présence. Voyons. Les disciples, Pierre et Jean et les autres, étaient allés à la pêche. Ils ont travaillé toute la nuit sans présence, sans avoir la confiance, de la conscience de la présence de Jésus. Mais ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris. Mais au lever du jour, quand Jésus se présente, ils constatent que c'est Jésus. Jésus leur demande, jetez le filet à tel endroit. Et ils l'ont fait. Ils ont ramassé tellement de poissons qu'il était difficile même de tirer. Mais le filet ne s'était pas déchiré. Des gros poissons, des meilleurs poissons. Chers frères et sœurs en Christ, ne travaillons pas sans Jésus. N'évoluons pas sans Jésus. Si nous les évoluons sans Jésus, nous allons nous épuiser sans résultat, sans rendement. Mais il suffit d'une petite minute de la présence de Jésus pour que nous ramassions les poissons en abondance. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours inviter Jésus dans notre vie. Parce que nos forces sont très petites.
pour nous porter. Nous ne pouvons aller loin qu'avec la force de Jésus-Christ. Tu es malade, tu as parcouru tous les hôpitaux, tous les guérisseurs. Tu n'as pas trouvé la guérison. Laisse Jésus te dire ce que tu vas faire. Ne te décourage pas. Tends l'oreille à Jésus et attends qu'il te dise quelque chose. Et ce qu'il va te dire, fais-le. Fais-le. Parce qu'il te dit, il te montre la direction que tu vas prendre pour ta guérison, pour ton bonheur, pour ta paix. Laisse Jésus se manifester dans ta vie. Ne ferme pas tes yeux. Demande plutôt au Seigneur d'ouvrir tes yeux, de t'éclairer de la lumière de l'Esprit Saint, pour que tu puisses, comme Jean, découvrir Jésus. C'est Jean qui dit à ses confrères, « C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. » Que l'Esprit Saint nous fasse découvrir que c'est le Seigneur. Parce que quand nous sommes en présence du Seigneur, nous n'avons plus peur. Nous sommes en sécurité. Sécurité sous toutes ses formes. Sécurité politique, sécurité sociale, sécurité alimentaire. Jésus est bon. Quand il rencontre ses enfants, il veut leur faire du bien. Il veut que ses enfants soient heureux. C'est un père. Il donne la nourriture à ses enfants pour que ses enfants mangent et vivent. Il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Il entretient cette vie en nous. Il entretient cette vie en ses disciples, en nous donnant chaque jour son corps et son sang pour nourriture et boire poisson. Qui nous a déjà aimés comme Jésus? Je pense personne. Qui nous a déjà aimés jusqu'à donner son corps pour nourriture, jusqu'à donner son sang pour boisson? Qui nous a déjà aimés jusqu'à donner sa vie pour nous? Il n'y a que Jésus seul. Et frères et sœurs en Christ, comme c'est Jésus seul, nous devons nous attacher à lui seul. Nous devons témoigner de lui seul. Et lorsque nous témoignons de Jésus, qui est la vérité, qui est l'amour, qui est la justice, le témoignage pour Jésus, notre témoignage pour Jésus ne doit pas laisser le monde indifférent. Les anti-Jésus, les anti-Christ, qui ne veulent pas entendre le nom de Jésus, parce qu'ils vivent dans le mensonge, dans l'injustice. Les antichrists vont chercher à nous étouffer, à étouffer ceux qui témoignent de Jésus, ceux qui annoncent le nom de Jésus, en n'annonçant pas le même fait, la vérité, la justice, l'amour. Les antichrists qui dirigent le monde vont trouver qu'ils embêtent. Ils vont les arrêter, faire arrêter et garder en prison. Ça, ce n'est que la prison physique. La prison physique n'est rien. Si tu es en prison au nom de Jésus, sache que tu as gagné. Hein? On te met en prison au nom de Jésus. Estime-toi heureux d'avoir fait le travail pour lequel Jésus t'a appelé. Tu as témoigné de son amour. Tu as témoigné de la vérité et tu es menacé pour cela. Tu as gagné. Ne démissionne pas. Ne démissionne pas. Va de l'avant. Va. Et si besoin il y en a, tu donnes même ton sang pour Jésus. Tu verses même ton sang pour Jésus. Surtout, ne démissionne pas. Pierre et Jean qui avaient guéri l'infirme au nom de Jésus,
était interrogé. Pourquoi annoncer ce nom? Pourquoi tenir Mordicus, insister, persister? Parce qu'ils sont convaincus que ce Jésus est le Sauveur. Toi aussi, sois convaincu que Jésus est le Sauveur et fais les noms, les choses, fais des miracles en utilisant le nom de Jésus. Quand on va t'interroger, tu diras, mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Parce que c'est Dieu qui sauve, les hommes ne sauvent pas. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur augmente notre foi. Pour que nous soyons convaincus de la résurrection et que nous n'ayons plus peur. Que nous n'ayons plus peur des malédictions qu'on nous profère par-ci, par-là, en disant que si tu ne fais pas ceci, tes ancêtres vont se fâcher. Qu'on n'ait plus peur des menaces de certains hommes politiques qui disent qu'ils vont nous envoyer des serpents affamés. Souvenons-nous de ce que Dieu a dit dans le Somme. Il t'enverra les anges pour qu'ils te portent sur leurs pieds, pour qu'ils te portent, pour que tes pieds ne heurtent ni les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le dragon. Tu écraseras le lion. N'ayez pas peur avec Jésus. Nous ne devons plus avoir peur. Il est roi, maître de l'univers. Accrochons-nous à lui et avançons. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale, transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le prions au Père du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, tu nous aimes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lanticone et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de maman Jiké Julienne, de maman Justine, de maman Hélène, de tous les défunts de la famille de maman Marie Virginie Kwamou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfants, sur tout ce qui compte, sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole, je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Au bord du lac, Jésus invite ses disciples. Venez et mangez, puis il prend le pain et le leur donne. Alléluia. Achevons notre prière. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu vocation sacerdotale et religieuse. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus-Christ, qui a choisi à appeler les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile. Fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la Paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Venez, chantons notre Dieu. Lui est le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Venez chanter. Le roi des cieux, il est pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché, elle veut une danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés, elle veut une danse de joie. De joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Lui, le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.